On est de retour du hockey. Puis là, je m'apprête à aller faire l'épicerie parce que c'est pas encore fait. Bon, je vais m'asseoir dans mes escaliers. C'est pas encore fait. J'ai fait la liste grosso modo pendant la pratique à Félix. Je vais juste faire un petit check-up être sûr que j'ai rien oublié dans les armoires à collation puis tout ça, vu qu'on recommence l'école et le travail lundi. Hein? Félix a tout donné dans sa pratique. Il était fatigué. Il est descendu en bas, puis on l'entend pas pantoute. Ah, ok. J'ai un gros bobo. Gros bobo, maman. C'est certain, je suis en train de jouer sur la Nintendo. Ah, il joue sur la Nintendo Switch, qui dit. Donc aujourd'hui, comme je disais hier, épicerie, ramassage, linge qu'il y a partout. Puis on a un souper encore ce soir qui est tard. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Hein? Toi, tu te fais garder par Mamie Renée. Ah oui, c'est vrai. Puis nous, on s'en va avec l'équipe mécanique à Chaton, manger au 18h55 à Longueuil. Puis on va sûrement aller prendre un verre avant. Moi, la boisson, aujourd'hui, j'avais à m'abstenir le plus possible. J'ai mal dormi. Hier, on a bu pas tant, là. J'ai bu une bière chez mes parents, ma bière légère. Puis, au restaurant, on a bu une bouteille de vin à deux. Comme on fait habituellement. Mais depuis que je suis keto, j'ai beaucoup plus de misère à tolérer la boisson. Donc, j'ai mal dormi. J'ai tourné. J'ai mal au cœur. Puis, le pas. Puis, le matin, je suis fatiguée. J'ai vraiment pas bien dormi, puis là, je fais le moyen. Donc, ce soir, on va y aller tout doux. On va voir si demain ça aide à aller mieux. On risque de se coucher tard. Le souper est à 8h. Puis on avance l'heure, ce soir. Donc, ma nuit va être courte encore une fois. Puis demain, demain, on va prendre ça relax à la maison. Il y a du hockey sur l'heure du dîner. Après ça, ça va être des devoirs pour Mathis. Et le retour à la routine de l'école et du travail. Malheureusement. Mais c'est la vie! Donc, je vais en faire l'épicerie, puis je vous montrerai ça après! Bonne journée! De retour à la maison, ça a été rapide de faire l'épicerie, il n'y avait pas beaucoup de monde, il fait beau, c'était samedi. Les gens avaient d'autres choses à faire que d'aller à l'épicerie. Donc, je vous montre nos petits achats pour la semaine. Ben, de la semaine, pour jusqu'à jeudi, parce que je devrais refaire l'épicerie jeudi. Que c'est rien de bien compliqué, puis ça n'a pas coûté trop cher comparé aux autres semaines. C'est parfait, ça. Donc, on avait besoin de fromage comme ça, tranché suisse. Le petit Québec qui était en spécial. Le souper de lundi soir et lunch des gars. Pâte au poulet Saint-Hubert. Après ça, on avait besoin de sauce à salade César, la René. C'est celle qu'on préfère. La standard, là. Pas extra suprême ail, puis pas celle demi-gras, ou je sais pas trop qu'ils disent, là. Elle est comme plus gélatineuse, la texture est bizarre. Ensuite, plein de pots de yogourt, parce qu'on n'achète plus les petits casseaux, on remplit des bols, ceux-là se récupèrent, les petits se récupèrent pas encore au Québec. Donc, aux cerises, aux citrons, aux fraises, hein, cocotte? Et aux framboises! Ensuite, pour entre autres Mathis qui mange ça en quantité industrielle, le fromage en tranche jaune single de Kraft. Mathis est assez opérationnel sur le mangeur de fromage le matin. Des petites bananes comme ça ici, Mathis aime bien ça. De la romaine, comme ça, des cœurs de romaine, il était beau, il était en spécial. Des petites tomates. Vous avez jamais vu celles-là en grappe plein de couleurs, elles sont vraiment belles. C'est des Demers. Puis c'est local, c'est des produits du Québec, comme ça ici, en serre. Puis tout leur emballage se récupère ou se composte. Ça ici, deux fois. Des carottes, un gros sac de carottes. On a fini celle qu'on avait cette semaine. Des petites échalotes ou oignons verts pour notre dîner ce midi, ça en prenait sur ce qu'on va se faire. Je parle à moi. Des framboises, j'aime toujours ça, mettre ça dans mon yogourt quand j'en mange, ça fait longtemps que je m'en suis pas fait. J'en ai mis dans mon yogourt maintenant. Ouais, c'est sûr que c'est bon. Des petits cocons. Des avocats biologiques. Ils étaient éligibles pour le concours du Canadien qu'ils font chez IGA. Canadien?
Ouais, le concours qu'on ramasse des points pour le Canadien, là. Hey, c'est le monde joué en hockey. J'ai acheté plein de choses qui rentraient là-dedans aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Yay! Des poires. J'espère qu'on va gagner. Un paquet de pommes Empire. On devrait faire un bout de temps avec ça. C'est nos préférés, les Empire, en tout cas les miennes. Elles sont croquantes. Des clémentines. On va voir si elles sont meilleures que les dernières qu'on a achetées à Chaton, que j'ai jetées parce que. Il en jetait une sur deux, de toute façon, qui était pourrie. Mon café, mec, café. J'ai vidé le sac dans mon pot. J'en veux toujours un, le spare, c'est toujours pratique. Des pains hot dog stimés pour Monsieur Matisse. Et René. Mamie René. Et Félix pour ce soir. Félix, je sais qu'il les a mieux rôtis, mais on peut les faire rôtir dans le poêle, ça fait même affaire. Parce qu'ils vont se faire des hot dogs pour souper. Des mandarines dans l'eau comme ça. Matisse aime bien, bien ça en collation. Des petits jus Hydra cuits. Quoi? Comme ça, qui sont moins sucrés. Même, oh, j'ai pas pris celui à Mathilde. Je pensais que je l'avais pris. Peut-être dans un autre sac. Mais celui-là, c'est celui aux petits fruits. Celui aux clémentines, comme ça. Celui-là, il l'avait pas goûté encore. Celui au citron était glacé, il l'aime pas. Ni un ni l'autre. Je pensais que lui, c'était mal. Quoi? Quoi? Clémentine. Avait... Les olives à Mathilde, à Félix. Il n'y en avait pas de chocolat. Il n'y en avait pas. C'est presque oui. Oui. C'est presque oui à Mathilde. Regarde, là, rouge, orange, rouge. Ouais. De la ciboulette séchée, j'en avais plus. C'est ils disent souvent de mettre de la ciboulette dans des recettes, puis ça se garde pas bien longtemps frais dans le frigidaire. Donc séché, ça fait la même chose. Ça se réhydrate dans le mélange. C'est bien bon. J'ai acheté de la sauce tamarin légère pour chaton, parce que c'est sans gluten. La sauce soya régulière, elle a du gluten. Ouais. Ouais. Mais celle-là, on n'en a pas. Une sauce barbecue sans gluten. Pas facile à trouver, hein? Là, j'en ai fait, ouais. Là, c'est la Rufus Teague en fait de la sauce. Whisky à l'érable. Cool. Puis c'est sans gluten, celle-là. L'huile d'olive Maison de Orphée. Maison Orphée. C'est la délicate pour la cuisine au quotidien que j'utilise pour toutes. C'est bio, si je me trompe pas. Puis elle est bonne. Elle goûte pas trop fort, fait que les gars, ça les dérange pas. Là, elle était en spécial. C'est pas venu acheter. La sauce à poutine Saint-Hubert. Il y a pas trop de glucides dedans par quart de tasse, donc je vais peut-être me permettre une poutine vendredi prochain. Avec des frites de zucchini. Puis des cannes de chat. Donc, c'est l'épicerie pour la semaine. Je vais tout ranger ça, puis après ça, on va commencer à faire le dîner. Il est midi moins 5, mais mon bœuf haché, il est pas dégelé. On mange pas pour dîner. Une boîte de bœuf haché. Tu verras tantôt. Hein? Ouais. Ça a l'air appétissant d'une même, mais ça avait l'air bon sur l'image. Une boîte de bœuf haché? Ouais, une boîte de bœuf haché. C'est quoi? Tu verras tantôt, Mathis, ok? Quoi? Tu verras tantôt. Tu vois, ça avait l'air bon, c'est plein de fromage. Verdict du dîner? C'était bon. C'était bon. C'était vraiment bon, j'ai
aimé ça. Bon. Il y a moi, ben on est trois à avoir aimé ça, puis Mathis qui a pas aimé ça. Ouais, je pense que c'était juste... Ouais, il y avait pas... Il y avait peut-être pas vraiment faim non plus. Hein, tu t'en? Fait que, oui, c'était très bon. Les brocolis aussi sur tige... Ben, sur tige. Bon, je pense que je les ai pas montrés dans la vidéo, là, mais... C'est, il appelle ça des jeunes tiges de brocolis. Fait que juste une petite tête, puis un, le tronc, si on peut dire, il est tendre. C'est vraiment bon. Donc ça, c'était très bon. Puis il en est resté un très gros lunch pour chaton lundi. Fait que, il y a de quoi manger. Il mourra pas de faim. Il manquera pas de gras non plus. Parce que oui, c'est quand même pas mal gros, cette recette-là. Donc là, les gars s'en vont jouer dehors. Mathis ici, es-tu prêt? Ouais. Ouais. On s'en va dans quoi? Dans l'eau? Ouais. S'il y en a. Je sais qu'il y en a. Ben, il y en a un petit peu. Ok, va voir. Il y en a un petit. Félix, lui, est en bas à faire ce que papa lui a demandé de faire tantôt, puis qu'il l'avait pas fait. Ici, là, en train de faire sa poche de hockey, parce qu'il faut que ce soit sèche, jamais t'en as encore, là. C'est poche. Ben, c'est de même. Ok, t'as fait un tas de linge, là. C'est fini. Non, accroche tes pads après le rack à linge, là. On voit qu'il y a beaucoup de motivation. Yeah. Non, après lui, là, c'est bien plus facile. Okay. Accroche tes pads après ça, ici, là. Ici, là. Okay. Non, tu vas mettre tes épaulettes, là. Bon, on va lui montrer comment accrocher ses affaires. Il va me rester à me coiffer. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour mon maquillage. C'est de la base, là. Moi, je fais la peau, beaucoup, comme les sourcils, puis les cils et les extensions. Donc, c'est vraiment axé sur ma peau. J'ai le cache-cerne NARS, ici, que j'adore, qui est vraiment utile aujourd'hui, hein, entre autres avec mes cernes et mes poches, vu que j'ai mal dormi. Moi, je l'utilise dans la teinte, attendez, médium 1, comme celle-ci. Il est quand même assez orangé, fait que ça prend une peau qui bronze assez orangée. Après ça, après avoir mis lui, je mets mon fond de teint, qui est de Tarte, comme celle-ci. Et lui aussi, c'est le light medium beige. Je l'avais acheté, j'étais un petit peu plus bronzée que je le suis présentement, mais ça me donne juste un peu plus de teint. Avec la petite brosse qui venait avec, comme ça, qui est assez rigide, ça va bien. Après ça, je mets un fard à joues de Les Oitiers. C'est le cuivré. Il y avait le rosé, il y avait le cuivré. Moi, j'aime mieux le cuivré. Je suis souvent plus rousse, fait que ça, j'aime mieux ça ici. Puis je l'applique avec la petite brosse qui vient avec. Après ça, je mets la poudre de finition de Laurent Mercier ici. On voit pas vraiment, c'est doré. C'est la translucide, juste pour dire que ça fixe le maquillage, puis que... ça matifie ma peau aussi beaucoup, ça aide. Des fois, je fais juste mettre celle-là quand je vais travailler pour matifier la peau. Je le mets avec un pinceau court que j'avais eu d'une pharmacie, me semble. Puis pour terminer, j'utilise le crayon à sourcils ici, de Les Oitiers aussi. Ouh! Puis lui, je l'utilise dans la teinte. Teinte. C'est une teinte, là, sûrement. Châtain. Lui, c'est le châtain et le Gimme Brow. Ça, je l'adore. Je le mets souvent juste lui aussi pour aller travailler. Et c'est dans la teinte numéro 3.
Pour mettre mon cache-cerne, vous avez vu que j'utilise un pinceau. C'est un pinceau de Sephora. Celui-là ici, c'est le numéro 57. Comme ça ici, il est assez gros, mais je trouve que ça va bien. C'est ce qui m'avait été conseillé quand j'avais été là-bas. Puis je trouve que ça va vraiment bien pour appliquer mes choses. Donc c'est mon petit maquillage de base de soirée, quand je me maquille pas les yeux plus que ça. Donc on y va pour les cheveux maintenant! Première chose que je mets ici, c'est le produit thermal de Sébastien, Trillion. J'en mets, faut le brasser, là, il se sépare, il y a de l'huile puis un autre produit, il faut le brasser pour qu'il se mélange, sinon on se ramasse avec les cheveux très gras. Ensuite, j'ai découvert ça récemment, l'huile rose de Kérastase. C'est malade comme produit, là. Ça sent tellement bon. Puis les cheveux deviennent tellement doux. Moi, j'en mets en sortant de la douche. Je me lave les cheveux, revitalisant, puis après ça, j'en mets dans mes pointes. Puis on peut aussi en mettre, comme je viens de faire, sur les cheveux secs. Une fois tout séché, on en met dans les pointes. Les cheveux boivent et ils ne gonflent plus. Ensuite, mon spray net fixatif de Sébastien, encore une fois. Le fixatif tenu et contrôle, c'est le régulier, là, il est pas très fort. Il fait juste tenir un petit peu. Donc voilà, ça donne ça. Il me reste juste à me changer, puis à mettre mes boucles d'oreilles, peut-être un petit rouge à lèvres que j'ai dans ma sacoche en haut de Lise Wattier, et je vais être ready tout gros. La maison est presque prête, il me reste à vider les litières des chats. Ouais, puis après ça, les gars, il me reste à créer les notes pour Manironi, puis tout va être prêt pour la soirée pour que nous on puisse quitter en... comment je voulais dire ça? En toute confiance? Ça se dit-tu ça? Ouais, je pense que c'est ça. Qu'on puisse quitter serein, disons. Voilà! On va aller voir de quoi ça a l'air. On va aller voir. Puis après ça, on va souper à côté. Presque. Ouais. Au 18h55, je te regarde. Flop encore une fois! Le restaurant qu'on voulait aller prendre un verre est complet. Fait qu'on va aller voir au Bucket, qui est pas ben, ben loin non plus. Fait qu'on va aller voir si eux, ils ont de la place. Ben c'est bien, ils vont le Bucket aussi, c'est juste plus bruyant, je pense. Non. Retour à la maison. Retour! À l'heure avancée, il est 1h10. Il dort. Je suis brûlée. Je vais aller me coucher. Ok. Mais c'est fait une belle soirée. Ouais, ben du fun avec la gang. C'était super bon le restaurant, là. 18h55, là, la viande était sa coche. Le filet mignon, là. Ouais, t'en as fait très beau. Vraiment très bon. Donc nous, on n'éternisera pas ça.
On va se reparler demain matin de toute façon. Fait que là, on va aller... ben, je vais aller me laver. Demain matin, pas trop de presse non plus. On va aller me laver bien vite, là. Puis je vais aller me coucher. Puis c'est ça. C'est lavé de dos. Exact. Gros chat. Bonne fin de soirée, gang. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.